Bonsoir les amis, c'est Maddy. J'espère que vous allez bien en cette veille de la Saint-Valentin, qui est aussi le début du carême pour les chrétiens. Donc voilà, demain je vais commencer mes 40 jours de désert. Bon, ça m'empêchera pas de faire des tirages, hein. Au contraire, j'essaierai d'être là pour vous, peut-être même davantage, puisque le carême demande aussi de faire des efforts et de se mettre davantage au service de son prochain. En tout cas, bienvenue aux anciens abonnés, aux nouveaux, aux fidèles, voilà, aux nouveaux membres, évidemment. Bon, alors, je vais traiter une question que vous avez dû voir dans le titre, hein, que je n'ai pas eu le temps de faire vraiment au cours du live, hein. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir participé à ce live. J'avais un petit peu évoqué avec l'astrologie les histoires de guerre. Oui, j'en vois une. Bon, écoutez, voilà quoi. Après, bon, il y a guerre et guerre. Donc, on va regarder un petit peu ça en voyance, voyez. Je vais vraiment revenir à l'astrologie. On va regarder ça un petit peu en voyance. On va voir si on peut affiner au niveau de la datation, ce qui pourrait la déclencher, quels conseils pour nous, etc. Bon, d'accord. Donc là, on y va franco, hein. Pas de langue de bois. Alors, j'ai une carte qui a claqué. C'est un homme. Bon, ok. Donc on va voir, de toute façon c'est qu'un tirage de cartes, mais j'ai l'impression qu'il y a des pays qui commencent déjà un peu à alerter la population. Donc c'est qu'il y a des choses qui se préparent, quoi. Alors, que rien ne vaut une bonne petite guerre pour réaffermir le pouvoir des gouves. Hein? Eh ben oui, faut pas oublier ça. Bien, bien. Alors, est-ce qu'on va avoir une guerre en Europe dans les 2-3 ans? Et puis après on ira affiner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a une attaque surprise. Là, c'est plutôt les présages. C'est, oui, c'est des mauvais présages, ça, avec les chouettes. Bon, attaque surprise, d'accord. Oui, la flèche, en fait, dans ma traduction, effectivement, ça peut montrer quelque chose d'inattendu. Alors, mais je veux dire, j'ai des aspects dégueulasses en astrologie, mais je ne vais pas vous mentir, hein, bon. Et en fait, je me suis aperçue qu'ils étaient même plus tôt que ce que je pensais. Mais enfin, on verra après au niveau du temps. Alors, est-ce qu'on peut effectivement avoir une mauvaise surprise en Europe, hein, avec les histoires de guerre? Que nous dit l'oracle du souffle de la nuit? Bon, la darkness, c'est effectivement l'obscurité. Hein, c'est l'inverse de tout ce qui est beau. Hein. Vous avez d'ailleurs des entités ici maléfiques. Hein, donc, il y a bien des gens qui sont prêts. Mystère, alors, qui sont prêts dans le secret. Ravel, ben, on retrouve l'histoire de corbeau, de présage. Il y a un homme raisonnable et des mauvais présages. Bon, j'allais dire, il y a vraiment des gens qui sont prêts en secret à des mauvaises actions. Alors, je vais rectifier ce que j'ai dit sur la carte de la 12, en fait. C'est pas les mauvais présages, c'est le coup monté. Ah oui, c'est encore pire. Donc, il y a les histoires de complot, là. Alors, si je prends mes cartes 2 à 2, on aurait bien, effectivement, dans ces cas-là, des gens mal intentionnés qui préparent un complot. Bah, c'est la carte de complot, en fait, j'ai vérifié. Hein. Et peut-être, d'ailleurs, contre un homme qui, lui, ressort de façon plutôt raisonnable. Ça, c'est un homme, c'est pas un dark, celui-là. Hein, quand vous avez le gentleman. C'est plutôt un homme raisonnable qui a la tête sur les épaules, voilà. Qui est intelligent, clairvoyant, enfin bref. Un homme bien sous tout rapport. Et en 41, on a, bah oui, c'est là où effectivement il faut être sur les gardes. Bon, on va remettre une seconde ligne. On a déjà des informations intéressantes, hein, je trouve. On nous parle de coup monté contre un homme raisonnable. Ok, on dira éventuellement les noms après. Alors là, on a une épreuve. Bon, justement, je parlais du carême, voilà. Effectivement, la croix a porté l'épreuve. Ici, on a le cœur. Bon, ça, c'est les humains, hein. Le peuple, par exemple. Ici, on a des mécanismes. Là, on a quelqu'un qui est amical. Et là, on a le vampire. Ah ouais, attends, attends. Ouais, on a quand même des personnages antagonistes. Hein.
Bon, ben écoutez, moi avec ça, ça sent effectivement un complot, hein. Un complot, un attent qui fait tas, comme on dit, un coup monté. On le voit ici, puisqu'on a le complot avec les vampires. Donc les vampires, c'est des gens extrêmement mauvais, hein, qui veulent tout détruire, qui ont une nature démoniaque d'ailleurs, hein. Vous avez ici les mauvais dans l'obscurité qui veulent absolument nous imposer des épreuves. Et vous avez ici, en fait, des mécanismes, pardon, peut-être des choses intelligentes, un plan, par exemple, qui peut être mis en place contre un homme qui est plutôt amical et contre les peuples ici. On peut considérer peut-être même que ces cartes-là sont en relation et les dernières sont en relation. Ouais, j'aurais plutôt tendance à voir le jeu comme ça, moi. Bon, on va remettre encore une troisième. Alors, peut-être pas partout. En tout cas, je dirais que c'est un jeu qui se tient, puisque on a vraiment, on voit très bien avec ce jeu-là, hein, encore une fois, une volonté maléfique d'imposer une épreuve par le biais d'un complot, d'un coup monté de la part de personnes, d'ailleurs, qui peuvent être addictes, hein, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être dépendantes. Hein, bon. On sait que certaines personnes, comment dire, aiment bien utiliser leur nez pour une certaine poudre blanche. Ben, vous pouvez les voir aussi dans la carte ici. De toute façon, ce sont des personnes extrêmement mauvaises, très maléfiques. Et ici, il y a bien des histoires de mécanismes ou d'organisation, hein, d'accord? Et ce serait contre, eh bien, les peuples. Mais on va remettre une carte pour voir un petit peu plus. Alors, j'ai pas la guerre proprement dite, mais je vois qu'il y a quand même des choses avec le complot, le coup monté. Il y a des choses qui se dessinent, qui se révèlent dans ce jeu. Alors, ici, on a un homme âgé. Bon, ok. Alors, évidemment, au niveau politique, on en a plusieurs, des hommes âgés. Mais celui-là, apparemment, il est du côté du dark. Il est du côté de l'obscurité. Sur le mystère, on a le chaos. Alors ça, c'est moi, j'y vois le côté humain, le côté les peuples qui veulent la joie, l'amour, le calme, la paix, hein, voilà. Eh bien, j'aurais tendance à dire que si je considère que ça, c'est le peuple, eh bien ça, c'est les désordres, le chaos qui serait apporté pour embêter le peuple, hein, c'est rien de le dire. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a sur l'organisation? Un masque. Bon, ben là, on a des gens masqués, hein. Des gens masqués, des organisations masquées, une organisation masquée. Et ici, il y a vraiment les questions de mauvais présages. Ouais, donc il nous prépare un truc, hein. Bah oui. Alors, sur cet homme amical. Alors, le gardien du secret. Bon, ben, ça peut vouloir dire que cet homme-là ne dit pas tout. Il a des informations dont on ne dispose pas. Et moi, j'y verrais bien le côté de l'Est, de Monsieur Vlad, par exemple, parce que c'est lui qui me vient en tête, hein. Et donc il a des informations secrètes qu'il ne dévoile pas. Ou alors c'est qu'il y a des choses, des informations que je n'aurai pas à son sujet, parce qu'il doit s'entourer, je pense, aussi de boucliers mentaux. Hein, parce que bon, ils sont pas bêtes, hein, ils savent que la voyance, ça existe, ils savent que les voyants, les médiums et tout ça, les cartomanciens peuvent avoir des informations. Et il est possible de se protéger de nos indiscrétions. Bien. Mais vous voyez qu'il ressort quand même en ami. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les... Alors, ça, sur les vampires, on a les histoires de connaissances secrètes. Ouais. C'est très secret tout ça. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, là où ça bouge le plus, c'est évidemment au milieu. Ici. Et sur les vampires. C'est eux, en fait, qui peuvent déclencher les choses. Hein. On va regarder ce old man, ce vieux monsieur, qui est dans l'obscurité. On va remettre une carte sur chaque, hein. Je crois que c'est le mieux. En tout cas, avec un jeu comme ça, il y a des choses en préparation. Alors là, l'iceberg, c'est un écueil, un problème dont on ne voit que la pointe. Pour un vieil homme qui est plutôt du côté du dark. Bon, ben moi, je verrais bien que c'est Joe, par exemple, puisque on sait que lui, il est du côté des mauvais.
Alors, je sais que normalement, ça, c'est un homme sage. C'est vrai. Normalement, oui. Mais là, il est du côté des darks. Donc, je pense que c'est celui qui est du côté de l'est, de l'ouest, pardon. Parce que je vois pas trop qui ça peut être. D'un autre côté, normalement, c'est vrai qu'on donne, on n'est pas censé de donner des noms. Mais on va dire que c'est quelqu'un qui est du côté de l'obscurité et pour lesquels, eh bien, il y a un gros souci en préparation. Alors, on va regarder du côté des vampires. Alors là, il y a des histoires de terre, de terre, Earth, la terre, hein. Éventuellement la planète. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, carrément. Ben ouais. L'obscurité, c'est la disparition de la lumière, hein. Donc, c'est vraiment un chaos. Ici, vous voyez, sur les peuples, on a bien l'intention de la part des Darks d'apporter le chaos, le désordre et une disparition, un obscurcissement. Donc, une situation extrêmement compliquée. Qu'est-ce qu'on a sur l'homme raisonnable? Les ennemis. Ouais. Donc, il est bien affaire à des ennemis. Et là, vous voyez, il y a le projet quand même, hein. Vous voyez, ça se dessine lentement, mais sûrement, on a des choses vraiment qui se mettent en place. Un projet de la part d'une organisation masquée, hein, mauvais présage, qui veulent apporter un obscurcissement du chaos, du désordre au niveau des peuples. Alors, au niveau de la Terre, on va la regarder. Alors, évidemment, la Terre, on peut la prendre au sens premier, hein, au niveau de la planète. Hein. Donc, des choses qui concerneraient des pays, par exemple, et qui seraient en relation avec des choses secrètes, un plan secret ou des connaissances secrètes. Donc, il y a vraiment la notion de secret qui ressort plusieurs fois, hein. Et évidemment, ça pourrait expliquer pourquoi je ressens que les choses sont en train, effectivement, d'être en train de se préparer, de se dessiner. Bon. Alors, donc ici, ce mystérieux gentleman, le gardien du secret, eh bien, il y a des ennemis qui le menacent. Il ne peut pas sortir à la fois en ami et ennemi, vous voyez, c'est pas possible, hein. Donc, étant donné que l'ami, le chien, est sorti sur lui, c'est un homme qui est a priori amical, qui n'a pas de mauvaises intentions. Mais maintenant, eh bien, le fait qu'il y ait les serpents qui soient sortis sur lui me dit qu'il a affaire à forte partie. Alors, est-ce qu'on aura une guerre en Europe? On va mettre que 3. Pas trop en tirer non plus. Bon, bah, vous voyez la réponse, hein, le feu. Bon. Le feu, oui. Le feu, des choses assez rapides. Et ici, le chat noir, le black cat. Bon, donc, avec l'éclipse, le feu, de toute façon, moi, j'y verrais bien, justement, le chaos, le désordre. On n'a que des mauvaises cartes sur le peuple, hein, que j'ai mis ici. Le chaos, le désordre, l'obscurcissement, une période difficile, la lumière qui disparaît, donc on est dans l'obscurité. Donc, on est un peu en situation d'être dans le désespoir, hein, puisque la lumière, c'est la vie, c'est justement tout ce qui illumine, tout ce qui apporte, hein, du réconfort. Et là, on va être plongé dans le noir par le biais de feu qui peut montrer une explosion ou un incendie, si je considère que c'est que l'élément feu en lui-même. Bon, le chat noir, c'est bien les ennuis, hein. Donc, il y a bien la volonté d'apporter au niveau des peuples du chaos, de la destruction, de l'obscurcissement, etc. Oui. Et le papillon montre simplement une situation qui change rapidement. Donc, ça peut même être arrivé très rapidement, vous voyez. Ici, il y a des gens qui sont en train de faire des histoires de maléfices. Hein. Ça montre aussi les questions de harcèlement. Donc, il peut y avoir aussi des gens qui s'amusent à mettre de l'huile sur le feu. Bon, on retrouverait d'ailleurs encore la carte du feu, de façon à provoquer, ben justement, cet homme-là, qui a l'air d'être quand même relativement raisonnable. Bon, ben, écoutez, on retrouve un petit peu la situation actuelle, hein. Bon, alors on a un crapaud. Alors ça, c'est les problèmes économiques en plus qui viennent se rajouter par-dessus tout ça. Et voilà, comme d'habitude, qu'est-ce que je sors? L'ours. L'ours qui a un rôle à jouer et qui, à mon sens, va tomber sur un gros problème qui va se poser à lui, hein, assez rapidement même d'ailleurs. Et où va y avoir encore des communications. Alors, des communications à ce sujet. Alors, par rapport au problème qui va se poser, on va regarder ce qu'on a. Alors là, il y a des histoires de navires. Est-ce que c'est des sous-marins, des navires, des choses que l'on met en route?
Il y a un problème, je ne sais pas exactement lequel, mais ce qui est sûr, c'est que ce problème qui va arriver va le forcer à établir une communication et à faire un choix. Je ne sais pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est des bateaux? Une alliance qui met en route quelque chose. Ouais, et qui veut provoquer un grand changement. Attendez, on va changer de jeu. Alors l'alliance, pourquoi pas NATO, hein, vous le mettrez dans l'autre sens, hein, d'accord? NATO, c'est OTAN, vous savez bien qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, pourquoi pas? Qui mettrait en route quelque chose pour provoquer un changement important, ce qui serait un gros, gros problème, un gros obstacle pour l'ours. Moi, je pense qu'il y a des histoires de provocation qui vont s'accentuer, hein, de la part de NATO. Bon, ben voilà, NATO qui porte un masque. Est-ce que NATO veut déclencher la guerre en Europe? Attendez, j'ai du mal à le sortir celle-là. Bon, ben oui. Qu'est-ce qu'ils veulent provoquer la guerre en Europe? Oui, pour mettre les gens sous contrôle. Bon, on va refaire un petit coup avec l'éclipse. J'ai rangé mon l'oracle de la nuit, du souffle de la nuit. L'oracle du souffle de la nuit, normalement, il est très très bien pour percer les mystères. Et là, il nous a bien expliqué qu'il y avait des choses en préparation de la part de personnes très mal intentionnées. Alors, donc on va refaire que l'éclipse cette fois. Vous avez vu le feu, hein. Le feu, c'est vraiment incendie, explosion, hein. Bon, donc méfions-nous. Alors. Ah, bah alors. C'est aussi en relation avec les élections américaines, hein, qui font peur aux démocrates, hein, pour les raisons que vous devinez. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un truc qui se passe effectivement vers la fin d'année et qui ferait que l'année 2025 serait très 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 difficile, hein. Bon, allez. Y a-t-il un risque de guerre en Europe? Bon, il y a une toile d'araignée. Bon, on avait vu tout à l'heure le coup fourré, hein, le complot, le coup monté. Eh bien, ici, vous voyez, on retrouve un petit peu la même chose avec les histoires de pièges qui s'inscrit dans les étoiles, donc ils sont en préparation, hein. Ok? Tout simplement. Alors, on va étaler le jeu comme ça. Y a-t-il un risque de guerre? Oh, non, pas un risque. Y aura-t-il la guerre en Europe? Je dis que je ne disais pas avec le risque. Parce qu'un risque, il y en a toujours un. Mais est-ce qu'on va avoir la guerre en Europe dans les prochaines années, dans les 2-3 ans, j'ai dit? Vous avez vu que j'ai mis le jeu Saga? Non, vous ne l'avez pas vu. Il est juste là. Je vais l'utiliser après. C'est un jeu qui peut être aussi intéressant. Alors, on a les histoires de famille ou d'arbres ou de réseaux ou de ramifications. Des choses secrètes. Il y a un vœu. Un vœu qui, pour l'instant, ne se réalise pas. Bon. Alors, ça peut montrer la situation actuelle. On va y aller tout doucement. Un vœu qui ne se réalise pas, ça c'est vrai, c'est la première interprétation. Mais ça peut être aussi les problèmes financiers, puisque vous avez quand même de l'argent ici qui est bloqué. Bon, alors les histoires de famille, là, moi j'y vois les histoires de famille. Hein. On va regarder ce que c'est. Alors, est-ce qu'on va avoir la guerre en Europe? Est-ce que c'est les peuples européens? Pourquoi pas? On a tous les mêmes, plus ou moins les mêmes racines, vous voyez. On peut y voir ça aussi, hein, les peuples. J'ai pas d'explication pour ce jeu-là. Donc chacun interprète comme il veut, évidemment. Un cadeau, oui. Le sabbat. Bon, ça, c'est encore les trucs maléfiques, hein. Un arbre. Et une alliance. Une alliance enchantée. Un cadeau que l'on apporte au peuple. On va regarder ce que c'est là. Un cadeau que l'on apporte au peuple. Ah, le vœu d'apporter un cadeau à des peuples. Alors, est-ce que c'est l'histoire de libération? Attendez, je vais regarder. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vrai que c'est actuellement, ça bouge beaucoup, surtout en Europe, hein. Les peuples veulent se libérer, vous voyez. Donc, c'est bien la carte des peuples, hein, avec le cadeau, effectivement. Le cadeau surprise, hein, donc bonne surprise. Et c'est bien l'espoir. Les gens prient pour qu'on trouve une solution à tous les maux MAUX qui tombe sur les peuples, notamment concernant bah, tout ce que vous savez, hein,
le manque financier, la pauvreté, les contraintes, l'oppression, etc., etc. Bon, alors, on a ici un vœu, mais c'est le vœu de personnes qui font des sabbats, donc des personnes maléfiques. Pour l'instant, leur vœu ne se réalise pas. Je pense que c'est ça, en fait, puisqu'il y a une route barrée. Ceci dit, il y a une alliance ici. Alors, ça, si on peut, mais, pardon, si on met ces cartes-là en perspective, on peut plutôt voir qu'il y a des choses ici, les peuples qui se relient, puisque j'ai l'alliance, avec les questions enchantées. Ça, c'est plutôt, en fait, pour moi, des choses positives. D'accord? Donc, les gens qui se relient, les peuples qui essaient de se libérer, enchantement, moi, je verrais bien un petit peu le côté espoir, hein, le côté on y croit, le côté, voilà, le côté positif. Et ici, vous avez les gens qui sont contre. Alors, on va plutôt regarder du côté de la perspective, hein. Alors, l'arbre, on va regarder. L'arbre, c'est quelque chose qui grandit, normalement. Alors, il y a un choix à faire. Donc, ça veut dire que les darks, qui pour l'instant ne voient pas leurs vœux se réaliser, vont avoir un choix à faire. Alors là, il y a un rêve. Bon, ok, un choix qui conduit à un rêve. Ah. Pour l'instant, ça ne me parle pas de guerre, hein. Vous avez remarqué. Ici, on a le cœur et la maison. Voilà, pour l'instant, je ne vois pas. Hein. Un choix qui se traduit par le cœur et à la maison. Alors ça, c'est le peuple. Hein. Vous avez un petit ange dessus. Le peuple à la maison. Le bouquet. C'est-à-dire... Ouais, d'accord. Bon, là, les darks, en fait, ils essaient de faire en sorte que les gens... Les gens qui mettent leur cœur en route, en fait, c'est ça. Hein. Les émotions humaines, le cœur, le peuple rallié par un même cœur, si vous voulez, qui se rallient de façon à retrouver leur liberté. Eh bien, leur vœu, c'est que les gens retournent à la maison satisfaits, d'accord, et continuent de dormir. Moi, je crois que c'est ça, en fait. Ok. Donc, en fait, ils veulent trouver un moyen pour calmer les gens, quoi, calmer la population. Alors ici, on a un remous émotionnel, ou en tout cas, il y a un vent de changement, tourbillon, mais qui apporte de la déception. Alors évidemment, ça peut vouloir dire que finalement, les gens vont se battre pour leur liberté en se reliant entre eux. Qui vont retourner à la maison satisfaits, puisque ça sortait quand même ici, c'était effectivement le vœu des darks, que les gens retournent à la maison avec un bouquet, donc en ayant quand même reçu quelque chose, mais que finalement tout ça ne soit que du vent, et qu'il y ait un désappointement par la suite. Ouais, ça c'est possible. Alors, est-ce qu'il va y avoir une guerre? J'ai des histoires de rituels, justement, hein. De la magie. Ah! Il y a la mort de quelqu'un là, ou la mort de quelque chose. Alors, un rituel qui va provoquer la mort de quelque chose. Regardez ce que c'est. Ou de quelqu'un. Il y a une personne apparemment qui doit partir. Ou qui doit disparaître. Une chance. Alors, c'est qui cette personne-là? Ah, alors, attendez, j'en ai sorti deux. Une chance et une envie. Ça commence à se compliquer un peu. Attendez, je vais prendre un autre jeu. Je prends le Divine Actu pour voir ce qu'il me dit là-dessus. Parce qu'il y a des choses bizarres. Bon, j'ai compris que les Darks, là, ils faisaient en sorte. Ils vont faire en sorte que les gens reviennent à la maison avec des bouquets. Donc des cadeaux. Il y a des rituels, mais des rituels qui provoquent la mort. Et c'est une chance. La mort de qui? La mort de quoi? Et là, il y a l'histoire de convoitise. Je suis pas fait exprès, hein. Je suis désolée, elle est tombée. Hein. Bon. Alors, ça peut montrer une mort qui. Ouais, alors attendez, parce que j'ai la bombe ici. Il y a des morts. On veut provoquer des morts. On veut provoquer des morts. Alors, la mort de politiciens ou de dirigeants. Ah, une mort qui provoquerait finalement.
Une explosion. Oh là là. Oh là, qu'est-ce que je suis en train de vous sortir là? Quelqu'un de pas jeune. Alors, il y a un dirigeant qui visait là. Ah, je suis en train de vous sortir un truc. Je ne pensais pas du tout tomber là-dessus. Bon, alors, reprenons. On a bien effectivement le sabbat, donc des gens mal intentionnés, hein, qui veulent renvoyer les gens à la maison avec certains petits cadeaux, hein, le bouquet, de façon à ce que finalement ils soient calmés, quoi. Et qui continue de dormir, hein, voilà, de dormir et de rêver. Vous aviez ici le dream. Bon, par la suite, c'est les gens seront déçus, oui. Mais il y a encore autre chose qui se dessine, c'est qu'il y a des rituels qui vont être faits. On avait la carte du rituel qui vont être faits, qui est ici, qui vont être faits pour provoquer la mort d'un dirigeant qui n'est plus tout jeune, et ça provoquerait, eh bien, une explosion. Bah, vous savez, les guerres, en fait, c'est souvent ça, hein. Bah, en tout cas, la première guerre, c'était ça, hein. C'était, comment ça s'appelait déjà? Ah, je sais plus. Bon, je retrouverai la mémoire qui, voilà. Mais c'est toujours quand je suis en voyance, ça, j'arrive plus à réfléchir. Bon, ouais, c'était Sarajevo, je crois, hein. C'est ça, hein. Ouais, enfin bref. Donc, il y avait bien eu un dirigeant qui avait été assassiné et ça provoquait par la suite, eh bien, la Première Guerre mondiale. Bon. Et vous voyez qu'ici, j'ai une mort qui est en préparation, qui concerne, qui toucherait un dirigeant. Ça provoquerait, au conditionnel, une explosion. Alors, une chance. Pourquoi une chance? Ben, pour les darks, hein. On va regarder pourquoi j'ai la chance. En fait, c'est l'occasion, quoi. La chance, c'est aussi, le trèfle, c'est aussi, coup de chance. Un coup de chance, quoi. Alors là, j'ai le peuple qui sort. Le peuple, et vous voyez, j'ai des choses encore, explosion radioactive. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est vrai que j'ai beaucoup d'aspects d'attents, voilà, d'attents qui font tas, attends sur le tas. J'en ai beaucoup en astrologie, ouais, c'est vrai. Alors, on va essayer de voir qui ça peut être, ce dirigeant. Je sais pas si on va pouvoir le sortir. Plus j'ai pris que un tas, j'en ai deux. Hein. Attendez, hop. J'en ai un là-bas, je vais remélanger. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une provocation qui soit faite contre le dirigeant d'un pays et que ce soit ça qui déclenche tout le reste, quoi. Alors, j'ai un couple maléfique. Alors, le froid, ça peut montrer une saison. Hein. Ok. Donc, la fin d'année. On va regarder si on perd des infos, là. Alors, quelqu'un qui serait dans une grande ville, donc oui, un dirigeant, un politicien dans une grande ville, bon, d'accord. La famille. Alors, ça pourrait toucher le dirigeant et sa famille, ok. Je sais pas qui c'est pour l'instant. Hein. Ah tiens, ça c'est curieux. Bah, écoutez, je sais pas. Voilà ce que j'ai sorti. À voir. Mais j'ai sorti l'Asie, moi. Bon, je pensais pas que ce serait plutôt dans ces pays-là, vous voyez. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je pensais que ce serait de l'autre côté. Ouais, ben, j'ai dirigeant Asie et la famille qui serait visée par un attentat qui est sur le tas. Ok. Enfant en danger. Bon, bah, écoutez, ok. Donc, il y a des histoires de danger. Alors, bon, je sais que c'est qu'un jeu. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui serait visé par vous savez quoi. Mais en tout cas, il y a une situation qui va devenir explosive ici. Oui. Bon, il y a bien des histoires de magie derrière. Il y a bien des gens qui œuvrent derrière. Bateau océan. Donc, il y a bien des choses en relation avec l'international qui ça va nous revenir dans la figure. Bon, d'accord. Bon, on a des petites infos, hein. On a des petites infos. On va refaire un petit coup de divine actu. Donc, ça passerait par. Alors, j'avais parlé tout à l'heure avec le souffle de la nuit. J'avais dit un complot, un coup monté. Ben voilà. Oui. Et ce serait dirigé contre une personne et sa famille, d'après ce que je vois. Un politicien, un dirigeant d'un pays, donc quelqu'un de très important. Le divinatu me dit que c'est l'Asie. Bon, faut en prendre et en laisser. Hein. Je peux pas vous dire. Hein. Mais il est question de boomerang. Ça reviendrait effectivement dans la figure des autres pays, quoi. Tout simplement, hein. J'ai l'impression de pas faire là. Oh là là, il m'énerve. Il n'arrête pas de claquer depuis tout à l'heure. Attendez. Voilà.
Donc, une guerre en Europe qui serait déclenchée par un Nathan sur le tas. Vous avez compris, hein? D'accord? Après, j'ai sorti dirigeant Asie, mais bon, peut-être que c'est pas ça. Hein. Ça m'étonnerait quand même que je mette dans le mille avec les cartes. Ce serait quand même extraordinaire. Ouais, on va regarder. Alors, une guerre en Europe. Ah ouais, il y a l'apostasie aussi. Oui, ça c'est encore autre chose. Oui, ça c'est vrai. C'est bien de le rappeler. Hein. L'apostasie, oui. Ça c'est quelque chose de très très important. D'accord. Et le second tas et des cartes qui sont retournées. Attendez. Voilà. Alors, krach boursier, ben ça, de toute façon, bon. Et décès, oui, comme ça on a tout, hein. Voilà, à total. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la guerre en Europe? Est-ce qu'il y en aura une, on va dire, dans les 2-3 ans? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Je prends l'autre tas aussi, hein, tant qu'à faire. Je vais vous faire un petit coup de Dixit aussi, mais bon, je ne sais pas si j'aurai le temps. La guerre en Europe. Mais vous avez vu que c'est l'Asie qui est sortie. Hein. Alors, pourquoi est-ce que ça atteindrait l'Europe? Ben, je peux pas vous dire. Alors, j'ai l'arrivée. Encore le Tocra 2 actif, décidément. Ah ouais, carrément, les suicides. Oh, elle est pas belle, cette carte. Entre deux mondes. Ah ouais, arrivée entre deux mondes. Bon. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'on est entre deux mondes. Oui, puisqu'on va changer de monde. Ça, c'est bien possible. Bon, j'ai une femme brune qui n'apporte rien. Ah, j'ai la destruction quand même. Hein. Suicide et destruction. Oui, ça, c'est pas cool, m'a dit. Ouais, je sais. Je sais. Je sais, je sais. C'est pas cool. Là. Alors. Ben, y a plein de gens qui à mon avis, vont vivre des situations très, très compliquées. Mais c'est pas forcément la guerre, ça. Ça peut être tout simplement la situation économique. Hein. Ouais, ben là, par contre, j'ai autre chose. Hein. Ouais, là, j'ai autre chose. Je la montre la carte, mais je la dis pas, hein, parce que j'ai encore me faire incendier. Contrôle, surveillance. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai contrôlé surveillance. Et là, j'ai quoi? Le G8. Le G8. Alors, on peut y voir aussi, pourquoi pas, le G8 qui court au suicide et à la destruction. Ça peut être une autre interprétation. Vous avez effectivement les pays qu'on connaît bien, hein. La France en fait partie, l'Allemagne aussi, enfin l'Europe quoi. Hein. Bon, je sais pas que c'est le G8, mais enfin justement, c'est les pays les plus importants qui courent au suicide et à la destruction. Oui, c'est peut-être ça plutôt. Hein. D'accord. Contrôle, surveillance. On pourrait voir radioactif que ça va provoquer une situation explosive. Par contre, là, j'ai autre chose. Hein. J'ai quelque chose par rapport aux questions de religion. Ouais, bon, on va pas trop épiloguer sur le sujet, mais c'est une équation, c'est l'équation du, une équation du problème, on va dire. Célébration, victoire, célébration, d'accord, par rapport à cette religion. Demi-tour, oui. Et ça, j'ai encore les druides. Bon, ça me parle pas de guerre. Contrôle, surveillance, demi-tour. Les histoires de confession. Ah, j'ai l'Irak. Ouais, là, c'est un pays. Oui, je sentais et l'illusion. C'est marrant, moi, je sentais davantage ces pays-là plus que l'Asie au niveau des attentes sur le toit. Vous voyez? C'est plutôt ça. C'est plutôt ces pays-là. Ce qui irait d'ailleurs avec cette religion que j'ai sortie, vous voyez? Voilà, Irak, pourquoi pas Irak, Iran, enfin, dans ce coin-là, quoi. C'est plutôt ça que, ouais, comment dire, que je sentirais au niveau d'un danger potentiel, au niveau des attentes sur le tas. Alors, confession, des choses qui nous seraient dites, qui nous seraient confessées. J'ai quand même contrôle surveillance. Bon, on va prendre un autre jeu. Contrôle surveillance, illusion, mensonge. Bon, ça, c'est pour nous, hein, ça, c'est les restrictions. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le Graal. J'ai des histoires de complot, là. Hein. Ouais. J'ai des histoires de complot. Hein. Avec le Graal, c'est ce qu'on veut atteindre. Hein. Ah bah, regardez.
Ouais, bon bah c'est ça, on va avoir un Nathan sur le tas. Voilà, vous avez compris. Illusion mensonge, donc quelque chose qui sera mis en scène par des gens, alors les druides, les magiciens, bon, vous avez compris. Ça va provoquer le fait que le G8 va aller au suicide et à la destruction, parce que je pense qu'il va y avoir comment dire partie prenante de ces pays-là, d'une façon ou d'une autre, hein, peut-être par le biais des alliances. Et on a bien les histoires donc d'attention sur le tas que je viens de vous dire hein, en relation avec les pays, ces pays-là, Irak, etc., avec une certaine religion. Et donc on est bien entre les deux. On est entre les deux mondes. D'ailleurs, on va demander pourquoi est-ce que j'ai entre les deux mondes. Mais ça veut dire aussi que il y a un basculement qui va se faire là. On va changer de monde, voyez, arriver ouverture entre deux mondes. On va regarder ce que c'est quand même. Alors on a ici un bateau, oui, et un roi. Alors là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est attendu, qui n'est pas encore là, mais qui est attendu, qui va intervenir. Il y a des histoires de prison. Un roi en prison ou un roi. Bon, ok. Un roi en prison. Qui c'est ça, un roi en prison? Un roi en prison. Ah, mais. Ah non, mais attendez, c'est pas Donald ça. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a de l'argent là? Alors quand je dis un roi, bon, c'est quelqu'un d'important, un politicien, bon, un gouvernant, enfin, vous voyez. Mais c'est marrant, j'ai des questions de prison. Ah ouais, non, mais ça peut être lui, hein. Parce que j'ai quand même l'argent là. Est-ce que c'est Donald? Bon, bah lui, il n'est pas sorti, ouais, il n'est pas tiré d'affaire. Hein. Il y a quelque chose. Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Bah, je ne peux pas vous dire, hein, mais j'ai quelqu'un d'important qui a de l'argent et qui va être mis à l'ombre, enfin, qui va être mis de côté. J'aurais même vu le dire qui va être débarqué là. Qui n'arrivera pas, en fait. Voilà. La barque, elle est vide. Donc, il est attendu, mais il n'arrivera pas. Il y a bien des questions de méchanceté. Bon. Donc, je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Elle fait déjà 37 minutes. Donc il va falloir attendre ces histoires d'explosion, d'attente sur le tas, vous avez compris. Plutôt en relation avec ces pays-là. Moi je pense que c'est plutôt ces pays-là plutôt que le dirigeant d'Asie. Enfin, ça se trouve, ça va être les deux, à le savoir. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose. Hein. Voilà, ça c'est les pays les plus importants qui sont sortis avec l'Asie tout à l'heure. Et le fait qu'il y ait un homme riche qui sera mis de côté. Bon, alors est-ce que c'est la fin d'année? Je vous avais dit qu'on regarderait au niveau du temps. Je sais pas trop comment je vais faire pour le temps. Je suis regardée avec le 32. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, le problème que je vois arriver, est-ce que c'est en 2024? Regardez. Je ne capte pas la coupe. Que c'est plutôt en 2024, les attentes sur le tas. C'est retardé. Est-ce que c'est en 2025? Ouais. C'est un retard, mais qui va se faire. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant, qui va se concrétiser, vous voyez? Moi, j'ai envie de dire, ouais, 2025. 2020, 2025. Ou alors, toute la fin 2024. Parce qu'il y a le 9. Le 9, c'est la fin de quelque chose. Hein, parce qu'après, on passe au 10, hein, vous voyez? Donc, le 9, c'est souvent une fin de cycle. Moi, j'ai envie de dire la fin d'année, quoi. La fin d'année. Ah ouais, certitude. Hein. La fin d'année et le début de 2025. Donc, ce serait même pas 2026, vous voyez. Ouais, ça va bouger en fin d'année. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça va bouger en fin d'année, surtout du côté de l'étranger. Bon, après, il y a autre chose qui... Après, ça me parle de personnages, donc on va pas les prendre. Hein. Mais le plus important, c'était 9 de carreau, 9 de trèfle. Donc, fin d'année, faire attention. Et 2025, de toute façon, oui, très important. Donc, est-ce qu'on a un risque de guerre? Bah, du fait d'un Nathan sur le tas, oui. Alors, est-ce que ça ferait jouer la question des alliances? Pourquoi est-ce que l'Europe serait impliquée? On peut regarder rapidement. Pourquoi est-ce que ça toucherait l'Europe? Est-ce que c'est par le biais des alliances? J'ai encore le temps là. Hein. Le temps, mais il y a des gens qui ne veulent pas voir par contre. Hein. Les gens qui dorment. Ouais. Pourquoi est-ce que l'Europe serait
impliqué, par quel biais, un choix à faire ou une direction à prendre. Les histoires de potions. Je ne vois pas trop pourquoi j'ai l'histoire de potions là. Aucune idée. Les cancans. Ouais, non, mais il me dit autre chose là. Non, mais non, 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 non. Là, il me dit autre chose là. Il me dit qu'en fait, tout ça, c'est pour éviter les rumeurs sur la potion. Non, mais c'est pas possible ça. Il nous ferait une guerre à cause de ça? Mais la question, c'était pas ça, moi. C'était pourquoi est-ce que ça toucherait le G8? Pourquoi est-ce que ça toucherait l'Europe? Ah, il y a bien un décès, hein. Mais je crois que c'est autre chose qu'il me dit, là. Bon, ben, j'aurais pas la réponse. Attendez, l'information, elle est cachée. Ouais. Bon, je la sorti, je vais pas la sortir, celle-là. C'est plutôt pour cacher les morts en relation avec la potion. Bon. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'information. Pourquoi est-ce que l'Europe interviendrait dans cette histoire si on a un conflit qui est en relation avec les pays que j'ai sortis? Qu'est-ce que l'Europe ferait là-dedans? Je peux pas vous dire. J'ai pas l'info. Mais en tout cas, je pense que ce serait vraiment du fait d'un déclenchement, d'un coup monté, un attentat sur le tas qui toucherait les pays que j'ai, voilà, d'une façon ou d'une autre, et qui provoquerait une escalade en Europe. C'est ça que je sors, hein. Voilà. On fera d'autres tirages, mais oui, bon, faut prendre ceci, cet avertissement au sérieux en tout cas. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tout de suite, à bientôt. Au revoir.